Bonsoir, chers amis, et bienvenue pour ce dossier numéro 120 de The Big Kamoski. Ce soir, nous allons étudier et tenter de trouver la réponse à ce qui fait que tant de jeunes chaque année tombent dans cette drogue dure qu'est le jeu vidéo. Mais pour cela, revenons en 1980. Cette période où apparurent les machines du diable, et ainsi elles envahirent les cafetiers et autres lieux de perdition pour subrepticement s'insinuer dans l'esprit et torturer nos enfants jusqu'à en faire leurs esclaves. Alors, interrogeons le petit Timmy par exemple. Timmy, pourquoi tu aimes bien les jeux vidéo? Eh ben, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on peut faire les trucs soi-même. Et puis, la dame, elle avait l'air sympa, quoi, je veux dire. Alors, moi, je suis monté, et puis, je lui ai donné les sous, et puis, après, j'étais content. Timmy, on parle bien de la même chose là? Bon, ok. Bon, pouf pouf. Quoi qu'il en soit, on est dans le Big Gamowski numéro 120, j'ai dit, c'est ça? Oui, 120, ok. Et on va se tartiner un nouveau shmup en scrolling horizontal que je ne connais absolument pas. De là à dire que je me fasse un peu dessus d'avance, c'est une réalité que je vais contrarier en disant que non, one, two, three, four, go les gars, quoi. On va lui défoncer la pastille à ce jeu. C'est parti, mon kiki. Je te remercie, Jean-Philippe Vivaldi, Robert, son prénom, pour ce credo in nunum deum, libre de droit, coucou robot copyright, je t'emmerde. Et nous y allons joyeusement dans une plénitude et une zénitude parfaitement assumées. Viens, mon mâme, emmène-moi sur ces chemins éloignés où Hyperduel va me proposer boulettes et sauce à volonté. Ouf, ouf, ça pique. Ouf, ça pique beaucoup, madame. Warning! Ça fait très ces Américains qui font les andouilles en faisant des cascades improbables. Technosoft, avec la grosse voix, présente Hyperduel, 1993. Nous sommes donc dans les 30 glorieuses du shmup, je le rappelle, et il y a très peu d'excuses pour que ce jeu ne soit pas jouable. Oula, le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les champis de la veille, ça? Fallait prendre des champignons de Paris, hein, je le rappelle. Je le sens mal, je le sens très mal, mais nous n'avons peur de rien et je ne recule devant aucun sacrifice personnel pour satisfaire l'audience. Un petit bout d'intro, non, même pas. Hein. C'est très R-Type, hein, tout ça. Oh putain, faut passer là-dedans après. No way, no way. Ah d'accord, c'était le fond. Impressionnant la lisibilité. Ok, donc tu fais abstraction des trucs en imaginant qu'il n'y aura pas de bord. Chose dont je doute, genre ce passage, tu vas pas me dire que c'est pas le décor. Nous intitulerons donc ce stream Crash et répétition. Si vous voulez bien me l'accorder. Waouh, les transformations. En fait, c'est juste le pilote qui change. Ok. Mon enthousiasme ruiné qui vient de tomber par terre. Hey, les nonoïs, calmez-vous. Nous n'allons pas être amis. Et je débarque juste dans votre pays. Ça n'est pas la peine de tirer. En bonus, nourrissez-moi. De manière à ce que le stream, je puisse remplir et partager. Je vous avoue que je suis très crispé. Je trouve cette lisibilité un poil douteuse. Alors c'est chouette, ils ont fait un gros boulot Bah oui, il y a du graphe, hein, c'est pour ça qu'on venait les gars. Mais frag, qu'est-ce que c'est chargé? Oui, j'ai utilisé le terme frag, car je m'auto-modère, comme on peut l'observer. Alors j'ai pas fait gaffe si mon tir avait évolué selon mes intentions ou une intention tierce et bénéfique qui réglerait pour moi tous les paramètres de tir. Parce que j'ai pas essayé de second bouton, pour être tout à fait honnête. Pour l'instant, ça se passe relativement bien, donc j'économise. Hein, je fais la technique dite du vieux, qui vous permet
Ça commence bien. Oui, c'est du R-Type. J'espère que je peux changer mon sens de tir. Parce que je vais vraiment avoir des emmerdes. Non, c'est bon, il reste de face. Oula, mais calme-toi, Jean-Pierre. Tu permets que je t'appelle Jean-Pierre? Bon, pour l'instant, ma douleur se passe pas mal. Oi, oi. Jean-Pierre, arrête de faire le con avec tes tentacules. Rappelle-toi de ce qui s'est passé la semaine dernière. Eh oui, il a fallu te sortir de la machine à laver, te dénouer. Et bon, avant de te dénouer, il fallait que tu sèches parce que c'était tout serré. Bon, de toute façon, les gros anneaux se cancellent. Hein. Donc, on va pas faire la chochotte. Et je crois qu'il est un peu crevé. Eh ben, bye bye, Jean-Pierre. Ne reviens pas. Je vois qu'il y a un module qui s'enfuit. Ne serait-ce pas le principe du super bad qui, à chaque fois, s'en tire bien dans sa capsule de survie? Eh bien, nous filons un rendez-vous, comme par hasard, à la fin du niveau suivant. L'effet de fond, là, je suis pas très d'accord, hein, quand même, les gars. Oula, oula, des blobs. Devait y avoir un demo maker dans l'équipe de programmeurs, je pense. De là à ce que j'ai un Kanankaz, c'est-à-dire les fameuses boules, vous savez, qu'on trouve sur les bureaux de PDG pour faire genre. Et qui, dès qu'on en tape une dans l'autre, elle se répète sur le rang de 6 à 12 bruits, comme ça, pour faire un pseudo-mouvement perpétuel. Vous voyez très bien de quoi je parlais. Pour l'instant, j'ai fait un jeu à peu près correct, c'est étrange. Il doit y avoir une baleine sous gravillon, un truc comme ça, quoi, parce que ce n'est pas possible. Vous avez déjà vu tous mes streams précédents, pourquoi le stream numéro 120 aurait une symbolique qui lui permettrait de One Credit le jeu, par exemple. Amour, espoir, déçu et anéanti. Je me suis un peu jeté dessous, je dois avouer. Bah, pour l'instant, on a quand même un shoot qui est bien foutu, hein. Mine de rien. Bon, niveau équipement, il m'a pas foutu complètement à poil pour repartir, ce qui est fort appréciable. Donc, du coup, j'arrive à passer dans les passages, je suis pas emmerdé. Ça reste lisible malgré que ce soit chargé comme une brésilienne en promotion dans des bois. Non, ce jeu est très bien. On va te garder, toi. Oui, tu tires un peu vite là. Non, je ne resterai pas en face, tu pues de la gueule. Eh oui, ça venait d'où ça? J'ai dû rater un truc. C'est pas grave. Continuons, bleu sur bleu, c'est pas terrible, rouge. C'est uniquement parce que je vais mieux le voir. Oula, 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 c'était quoi ce truc de perle? Merde. Vaisseau qui bouge toujours un poil vite, hein, on est mu. Quoi, c'est pas une excuse, t'arrêtes pas de nous la sortir. Si j'arrête pas de vous la sortir, c'est que c'est peut-être un peu vrai, hein. Comment ça, je ferais mieux de dire que c'est vrai que je suis mauvais? Jamais, vous m'entendez? Jamais, moi vivant, jamais je ne dirais que je suis un boulet. Sauf à mourir trois fois d'affilée sur le même boss. Je suis un boulet. Je suis un boulet. Je suis un poulet. Bon, voilà pour ça. Pas mal ce shoot. Pas mal du tout. On va voir si au troisième niveau, ça reste praticable. Parce que je pense qu'ils vont commencer à se dire, oula, lui, il est venu jusque-là. Va falloir lui ralentir un petit peu la cadence, qu'il pense à remettre des sous dans le monnayeur. Sinon, on va pas être rentable. Oh putain, oui, le sol. N'oublie pas que le sol, c'est du dur. Du dur. Ah, mais je n'avais pas essayé ce. Je n'ai pas utilisé une seule fois le deuxième bouton depuis le début du stream. Vous avez vu ce que ça fait? Je suis Jean-Michel Jarre, je joue de la harpe laser. Je vais me faire flyer par le robot copyright encore pour ces conneries, moi. Donne-moi le bonus et pas le décor. Oui. Yippee-ki-yay. Je commence à l'aimer ce jeu. Eh oui, eh oui. Parce que la blague de découvrir qu'il y a potentiellement comme une deuxième couche à l'intérieur du tir m'a franchement rassuré. Parce que là, je suis arrivé jusque-là, finalement, c'est peut-être un petit miracle. Hein, si on regarde bien. Attention, partie scénario. La partie scénario du shmup, c'est toujours adorable. Toi, je vais te faire Jean-Michel Jarre. Hein. Oui. Attends, je vais te faire un autre morceau parce que. Tin, tin, non, non, non. Il faut que je varie les morceaux, sinon le robot copyright va me faire chier. Tin, tin, non, non, non. Donc là, on est sur oxygène.
Veux-tu bien crever? Parce que ça fait 2 heures que j'ai mon méga tir et heureusement que je peux te consoler tes boulettes avec parce que. Pouh. Moi, tant que je l'ai qui marche, hein, je m'en sers, les gars. C'est hors de question que je sois sympa. Regardez-moi ça. Dès que je prends le moindre instant pour respirer, il me défonce la gueule. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Je vais me remettre en bleu, on est sur fond orange. Hein. Les papilles, il y a besoin de voir. Alors, où il est, mon vaisseau? Mais c'est lui! Non, plus sérieusement, il faudra que je refasse ce jeu dans mon coin tranquille, parce que moi, il me plaît bien. Il est super jouable, il est bien de cette époque, pile de 80s, avec du SNK partout, du sprite généreux, en veux-tu, en voilà. Très recommandable. On va s'achever la visite par ici, hein. C'est peut-être pas la peine de vous spoiler tout le jeu, histoire que vous puissiez vous garder vos moments de gloire personnels. Y compris les passages avec. Alors, pour varier de Jean-Michel Jarre, je vous recommande d'utiliser Tangerine Dream, mais eux n'avaient pas d'arc laser. Et oui, c'est la rigueur allemande, ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre morceau connu? Le Zouk, mais je me rappelle plus la mélodie. Les concerts en Chine, je peux vous faire. Je vais commencer par faire public. Pas trop bien! Un Européen qui vient faire démonstrateur Roland chez nous! Oh, qu'est-ce que je suis médisant! La médisance m'aura exécuté et finalement tué pour me bouter hors de ce jeu. Bien fait pour moi. Revenons à l'écran titre, si vous le voulez bien. Ce fut long. Il faut mon petit nom. Game over! Eh bien, comme quoi, parfois les appréhensions sont un petit peu gratuites et ce hyper duel, 1993 comme cru, est tout à fait comestible. Une robe un petit peu pixelisée, un goût en fond de palais bien âcre sur la boulette. Moi, je ne puis que recommander ça. Alors, je le conseillerais avec une côte de porc, hein. Et une petite sauce gribiche derrière, ce serait juste parfait. Sans déconner, hyper duel. Il est validé, même s'il ne rejoindra pas la collection des top jeux. Mais sur son principe, il est super bien réalisé. Il est relativement jouable, malgré les appréhensions qu'il peut laisser. Donc c'est sans hésitation que vous pourrez y revenir ou l'explorer une toute première fois. Hein, en prenant un peu de plaisir, même beaucoup. Voilà, sur ce, abonnez-vous. Partagez la chaîne, on se retrouve très bientôt pour le numéro donc 121. Faut pas que j'oublie, je vais le marquer dans un coin, je vais encore le merder quoi. À bientôt, ciao, bisous.